Passer la Colombie pour la bornatée du coin. Et moi, ça me pose pas de problème. Je vois bien Amita couverte de chaînes en or, armée jusqu'aux lèvres, en train d'agiter tranquillement son flingue tout en sniffant de la coke sur le cul d'un strip-tubeur. Ce serait torride, ultra chaud bouillant. S'il y avait une webcam branchée là-dessus, je m'apprêterais ça toute la journée. Ah ouais, je veux parler d'Amita. Ah, je crois qu'on m'a fait. Ah, Amita, oh. Camion au bon endroit. Tu veux te marquer le point de livraison sur ta carte. Comme centre de trafic d'opium pour Paul de Blair. Je me demande si les autorités étrangères se laissent fermer par ce petit manège. Ah quoi, de pleurs utilisent les mêmes entrepôts, tout ça sous le vieux logo de Kirati. Ça crève vraiment les yeux. Et apparemment, ça ne dérange personne. On n'a pas de brigade d'opium dans ce petit pas de Kirati comme au State.
ou de NMC et Comanche. Ils s'en foutent qu'on sache qu'ils vivent de la drogue. Faut dire, c'est pas comme si c'était la goutte d'eau qui allait faire péter les bases après les massacres, les tortures et le travail forcé. Y'a pas un conseiller qui va venir à Pagan dans son pavé. D'après les sondages, les assassinats et fascistes. Ça va, mais vous connaissez les pirates, la drogue, pour eux, ce serait vraiment le truc du gros. Ils veulent pas qu'on les prenne pour des dealers. Faudrait pas qu'on loupe le prix Nobel de la paix à cause de ça. Remarquez, ça les a pas empêchés de refuser le Nobel à un type qui balance des attaques de drones à tour de bras. C'est pas sorti du cul. Oui, je parle de toi, Barack Obama. Parce que bon, moi je te souviens depuis le début. Et voilà que tu te mets à balancer des drones partout. Quoi? J'en ai trop dit? Qu'est-ce qu'ils vont faire, tes potes? Venir me chercher? Ils pourraient, après tout. Ils ont des logétos douteux planqués dans la cambrousse avant moi. C'est vrai, Pagan ne recourra jamais. Et vous, vous en êtes capables. Ouais, comme quoi, faut pas suivre les apparences, comme on dit. Voilà! Bon, moi je respecte Pagan parce qu'il a franchement l'air complètement taré. T'as vu le costume et la coiffure, tu sais ce qui va te tomber sur la gueule. Mais bon, revenons à la musique. Donne-nous un truc un peu joyeux. Le camion que t'as rapporté contenait des choses qui vont nous aider. Beau boulot, Eddie. On va donner ça à ceux qui en ont besoin.